Mesdames et messieurs, bonsoir. Si connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire. Si l'éthique n'est pas le corollaire de la vision de Dieu, mais cette vision même. Si le pieux, c'est le juste, comme l'écrivait Emmanuel Lévinas, alors la réflexion à laquelle nous sommes conviés ce soir relève du scandale. Comment comprendre cette étrange alliance du sacré et de la violence ? Comment en est-on arrivé à ce que le mot « religieux » soit si souvent frappé au coin de la suspicion, que le seul prononcé de ce terme en fasse surgir d'autres, comme terrorisme, persécution, conflit, fondamentalisme, martyr des femmes, et plus près de nous, risque de rupture du pacte républicain, séparation, division. Si l'on s'en tient à l'hexagone, comment expliquer ce divorce entre la sagesse religieuse et le consensus démocratique ? À qui la faute ? Faut-il s'en prendre au fondamentalisme d'une minorité qui aurait jeté l'opprobre sur l'ensemble de ceux qui se réclament d'une appartenance religieuse, faisant de ces derniers les victimes collatérales d'une réaction de rejet de la part des défenseurs parfois trop zélés du pacte républicain et de la laïcité ? Faut-il s'en prendre aux religieux eux-mêmes, qui, fascinés par les retrouvailles avec leurs traditions ou paralysés par la peur de perdre leur identité, ont parfois succombé au repli sur soi et se sont détournés du souci du monde ? Faut-il s'en prendre de manière plus sombre et désespérée, avec le philosophe Jean-Claude Milner, à un processus en cours dans l'Europe démocratique qui chercherait, au nom de l'égalité, à abolir les distinctions fondamentales entre les sexes, entre les générations. Distinctions fondamentales dont les monothéismes en général et le judaïsme en particulier sont les garants. Processus irrépressible qui rendrait le message biblique désormais inaudible. Pour réfléchir à cette inquiétante conjonction et pour relever le défi qui nous est lancé par nos hôtes, à savoir proposer un antidote qui nous permettrait de sortir de cette impasse, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Bernheim, grand rabbin de France et philosophe. Gilles Bernheim, qui, dans la lignée d'Emmanuel Lévinas, s'efforce de traduire la sagesse biblique en grec, seule manière de faire saisir à ses contemporains, juifs et non-juifs, la pertinence du message d'Israël. Gilles Bernheim, qui a publié récemment un livre d'entretien avec des intellectuels, intitulé « N'oublions pas de penser la France ». Et qui est l'auteur d'un document intitulé « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce que l'on oublie souvent de dire », qui a fait grand bruit, et auquel s'est notamment référé le pape, si j'ai bien compris, ou en tout cas le cardinal André XXIII. Aussi. Pour relever ce défi, je reçois aussi Bernard-Henri Lévy, philosophe. Qui a consacré une partie importante de ses travaux à l'analyse du totalitarisme et du fondamentalisme religieux. Si une place importante est faite aux sources de la pensée juive dans ses ouvrages, notamment dans le Testament de Dieu, dans lequel il souligne l'urgence d'en appeler au testament monothéiste, et plus récemment, Pièce d'identité, dans lequel un long passage est consacré au génie du judaïsme, c'est un regard de penseur laïque qu'il portera sur notre questionnement de ce soir. La parole est au grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Lorsque j'ai découvert l'intitulé du thème de cette rencontre qui marque l'ouverture du 50e anniversaire du Centre communautaire de Paris, m'est revenue une phrase de Maurice Clavel, prononcée il y a plus de 40 ans,
Clavel diagnostiquait un essoufflement de notre culture et prédisait que Dieu va revenir comme le refoulé, dans le sens que Freud donne à cette notion l'immanquable retour de ce qui est refoulé dans l'inconscient. La conjonction d'un appauvrissement culturel et d'un retour du religieux s'est confirmée depuis. Elle est malheureusement aujourd'hui explosive. Ce qui se perd d'un côté en raffinement, en finesse de raisonnement, est souvent gagné d'un autre en ignorance, en confusion, en archaïsme laïciste ou en religieux primitif avec ses intransigeances meurtrières. Ajoutons un gigantesque mouvement de mondialisation qui accroît les incertitudes identitaires, déracine les peuples, recouvre tous les humus locaux d'une terre aseptisée et finit par donner le mal de mer à des millions d'individus ballottés sur un même océan sans frontières. L'angoisse générée par un monde anonyme, le même pour tous, sans distinction, sans différence, sans dialecte culturel, favorise l'émergence de certitudes religieuses, au mieux intransigeantes, au pire meurtrières. Alors oui, que faire ? Telle est la question que nous nous posons, Bernard-Henri Lévy et moi, tout au long de cette soirée. Dénoncer la violence d'une religion est chose aisée, surtout si cette religion est celle de l'autre. Alors posons la vraie question. Comment en est-on arrivé là ? Et y a-t-il, comme il est écrit sur le carton d'invitation dans le petit texte habilement rédigé, y a-t-il un antidote qui permettrait aux spiritualités de s'affranchir des menaces fatales qui pèsent sur ces spiritualités ? C'est en lisant un article de Marie Balmaru paru il y a plus de 20 ans dans la revue Études, que j'ai mieux pu formuler une évidence, à savoir que c'est le déclin de l'idée même de la loi dans notre civilisation qui fait le lit des religions barbares et meurtrières. Pour expliquer ce déclin de la loi, rappelons que notre société occidentale s'est construite en quelques siècles sur la conquête des libertés. Liberté religieuse avec la Réforme, liberté de la science avec Galilée, liberté philosophique avec les Lumières, liberté politique avec les révolutions et la chute des monarchies. J'aurais pu dire libération de la femme, libération des Noirs, libération des esclaves, que sais-je encore. Mais aujourd'hui, l'homme de notre culture, libéré des lois de Dieu, de celles des princes et des dogmes, ne se libère pas. Il se considère comme d'emblée libre et libéré et se dirige progressivement vers une société de contrats plutôt que de lois. Quoi de plus léger qu'un contrat, et surtout tellement relié aux sentiments et aux désirs. Deux volontés s'associent pour échanger tel service ou tel morceau de vie commune, et si cela ne convient pas, pourquoi souffrir, puisqu'on est libre ? On défait le contrat et on se quitte. Qu'il s'agisse de biens
ou de personne le contrat prenant fin, chacun retrouve sa liberté de désirer autrement avec d'autres. On en a fini avec la faute religieuse ou civile. Qui peut vous blâmer lorsque votre désir change ? Ce que je vous dis là, c'est peut-être une caricature de l'Occident, mais l'image nous revient de l'intérieur par ceux qui vivent ainsi, mais aussi de l'extérieur par ceux d'autres cultures qui parfois nous envient, mais souvent nous redoutent et même nous méprisent. Culture sans loi, disent-ils. Pour le dire avec nos mots, ils nous méprisent parce qu'à leurs yeux, nous sommes des barbares. Et devant une telle haine, nous les qualifions à notre tour et à juste titre de barbares. Alors je m'arrête un instant pour faire observer qu'aujourd'hui, le seul idéal commun dans nos sociétés démocratiques en Occident, le seul peut-être que partage l'ensemble des citoyens de nos démocraties laïques, c'est la défense des droits de l'homme. Au point que cette défense est en passe de devenir la seule injonction. Au point que cette défense est en passe de devenir la seule injonction qui vaille, celle de lutte pour que les autres hommes qui n'en sont pas encore les bénéficiaires puissent accéder à ces droits de l'homme qui valent pour tous. Pour que ceux qui n'auraient pas traversé ces strates de libération progressive des tutelles aliénantes que nous avons évoquées tout à l'heure, concernant l'homme occidental, par exemple, libération des tyrannies politiques, religieuses, intellectuelles, etc., que ces hommes-là puissent le faire, se libérer de toute tutelle. Mais cette seule ligne d'horizon, de défense des droits de l'homme, les siens propres et ceux des autres, du droit de tous les hommes à disposer d'eux-mêmes en tant que nation, collectivité ou individu, cette seule ligne d'horizon suffit-elle pour générer, pour régir par le droit et la justice, tzedaka ou mishpat, des sociétés de respect et de responsabilité, des sociétés véritablement humaines, civilisées où peuvent régner culture, esprit et pourquoi ne pas le dire, spiritualité. Cette cause des droits de l'homme est essentielle et signe un progrès indéniable sur lequel il n'y a pas à revenir. Mais une défense de droit qui n'est pas assortie de devoir ne fonde pas une société de droit, elle ne structure pas plus une société qu'un individu. Elle génère le chaos et parfois la barbarie. La revendication de droits toujours plus larges, non assortie de devoirs en retour, conduit à une autre forme d'aliénation et à d'autres tyrannies. Celle de la toute-puissance du désir et du sentiment, celle de la négation de la notion de responsabilité. Seule la capacité à advenir en tant que sujet de droit, c'est-à-dire suffisamment libre pour accepter de se soumettre à une loi, à la loi et au droit. Seule une telle disposition peut favoriser l'émergence d'une société véritablement humaine, libre et juste. Pour illustrer cela, prenons un exemple très court. Le premier des 10 commandements, édicté par la Bible, ne proclame pas le droit à être libre. Il ne dit pas « tu seras libre », mais il dit « c'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude ». Comment abolit-on l'aliénation et en particulier celle qui nous enferme en nous-mêmes ? En faisant une déclaration des droits ?
non. Mais en interdisant, et c'est le deuxième commandement, de se prosterner devant quiconque et quoi que ce soit sur la terre. De n'avoir point d'idole. C'est ce deuxième commandement qui donne tout son sens au premier. Les esclaves finissent parfois par triompher de leur maître, dont ils se sont libérés. Mais souvent n'échappent pas au risque de recréer une société d'aliénation dont ils sont les propres maîtres, et souvent plus tyranniques que les maîtres dont ils se sont libérés. L'histoire récente de la décolonisation et des printemps de tout genre est pleine de ces risques et tentations. Des êtres libres, des sociétés libres, ne sont que des êtres ou des sociétés libérées de toute tutelle. Une liberté assortie de responsabilités, des droits assortis de devoirs. C'est cela, la loi. Autre fenêtre sur ce déclin de la loi qui favorise, d'après moi, les archaïsmes laïcistes et la violence religieuse. La culture de nos démocraties laïques a tendance à refuser l'idée même d'une loi sur des questions de sexualité. Chacun peut bien aimer et engendrer comme il l'entend. Puisque c'est de l'amour, comment est-ce que ce serait mal ? Mon propos ici et dans la vie n'est pas seulement de dire c'est mal et ce que moi je fais, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, c'est bien, mais plutôt de décrypter ce qui s'y passe pour comprendre et agir en tant qu'homme, en tant que juif. Afin de préserver, au même titre que des chrétiens, des musulmans ou des hommes sans religion, ce qui ne doit absolument pas disparaître, à savoir une certaine idée de l'humain, une spiritualité incompatible avec toute violence ou mainmise sur l'humain, et aussi de faire fructifier ce qui doit l'être, à savoir une certaine idée du religieux qui donne à penser même à ceux qui ne croient pas en la religion, une terre où souffle l'esprit. Regardez ce qui s'est passé dans ce débat sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Au début des années 80, la question du mariage homosexuel était hors sujet parce que ces revendications remettaient en question la séparation du privé et du public, à savoir d'un côté la sexualité et de l'autre le fait que l'État légifère. Je me permets de vous rappeler ici que la séparation entre vie privée et vie publique est constitutive de la République laïque. Et la politisation des questions homosexuelles était alors, et à juste titre, impossible pour cette raison. Ce type de revendication était à l'époque, dans les années 80, disqualifié parce que identitaire et communautaire. Vous aurez compris qu'identitaire plus communautaire égale communautarisme. La pire des critiques dans une société laïque. C'est dans les années 90, avec le débat sur le Pax plus tard, que la question du mariage homosexuel a commencé à bouleverser nombre de certitudes. Et l'a effectivement modifié non seulement l'idée de la sexualité, mais aussi, comme je viens de le dire, l'idée que l'on se fait de la République. Depuis, un changement s'est opéré. La question homosexuelle, telle qu'elle est posée par les défenseurs du mariage pour tous, tend à imposer l'idée que l'ordre sexuel et symbolique n'est pas éternel
il n'est pas intemporel, il n'est pas immuable et qu'il peut être soumis à des révisions. La question des sexualités apparaît aujourd'hui comme une question politique ouverte à la délibération et au changement. L'ordre sexuel n'apparaît plus comme régi par une loi ou des principes qui le transcendent, il devient un enjeu politique. Quel est l'enjeu fondamental ? Je n'ai pas dit politicien, politique au sens de la délibération. Quel est l'enjeu fondamental de ce débat ? Dans une société où s'opère le déclin de toute transcendance, la transcendance signifiant que nul n'est d'emblée libre et que nul ne peut être son propre et exclusif référent. L'idée d'une loi transcendante qui fait tiers, comme disent certains. Cette problématique révèle froidement et sans dissimulation toutes les oppositions entre l'ordre politique qui se veut tout-puissant et l'ordre symbolique, culturel, anthropologique, religieux, spirituel, éthique, tout simplement. Cet ordre symbolique qui croyait jusqu'à peu échapper à la délibération, à la décision politique. Désormais, les deux ordres ne se respectent plus. Autour de l'individu, seul avec lui-même, n'existe plus, loin au-dessus de lui, l'ordre symbolique qui seul permet à l'homme d'échapper à ses propres tyrannies. Le nouvel ordre sexuel, comme on dit aujourd'hui, mis en avant par les féministes et les mouvements homosexuels, a pu émerger grâce à une disqualification du symbolique. Tout est désormais politique, tout dépend d'un politique qui n'assigne plus de limites au champ de l'intervention de l'homme. Tout relève de la délibération qui peut tout remettre en cause. Les conséquences qui découlent de ce nouvel état des choses sont vertigineuses. Il ne s'agit pas moins que de mettre un terme à un ordre vieux de milliers, milliers et milliers d'années. Nous sommes passés de l'ère du symbolique à l'ère du tout politique. Nous avons quitté la métaphysique, ce qui est au-delà, par-delà, ce qui échappe à la prise, à l'emprise ou à la mainmise de l'homme. Notre civilisation a écrasé la différence entre le plan et l'arrière-plan, le temporel et l'éternel, ce qui est fini et ce qui ne l'est pas, ce qui est infini. Alors ne soyez pas surpris que lorsque ces différences tendent à s'effacer, que les hommes sont perdus et que prospèrent simultanément des religions violentes et meurtrières, simulacres de religions auxquelles des esprits faibles et non préparés se raccrochent. Ces mêmes religions violentes et meurtrières marient de manière voilée le tout politique et le pseudo symbolique. Alors, comment conclure ? Quel antidote pour se prémunir de la barbarie, pour désenclaver cette étrange alliance du pseudo-sacré et de la violence, et favoriser, pour reprendre les termes du carton, une spiritualité saine. Qu'entendre dans les terribles événements qui secouent l'Occident tout entier, notamment depuis le 11 septembre 2001. Dans la haine et l'horreur qui poussent les émules de Ben Laden et les nébuleuses terroristes qui gravitent tout autour. Peut-être, et c'est un début de réponse, que l'on n'occidentalise pas rapidement des peuples d'une tradition tout autre. Lecture à laquelle s'en ajoute immédiatement une autre. Le modèle occidental du progrès serait-il le seul ? Et enfin, cette difficile question sur nous-mêmes. Qu'est-ce que le progrès ? Qu'est-ce que l'homme moderne ? Quels appétits auront induit chez cet homme moderne, qui est
naturellement, c'est-à-dire de manière naturelle religieux, que l'énorme développement unilatéral de sa seule intelligence rationnelle aurait superficiellement laïcisé et coupé de ses racines profondes. Vous savez, le cri poussé à Téhéran, à Islamabad et ailleurs par les multitudes délirantes dont l'hystérie religieuse, entre guillemets religieuse, me cause une horreur sacrée, est une déformation monstrueuse, comme en produisent et en utilisent les fanatismes, déformation monstrueuse de cet appétit essentiel dans l'homme. Quel sens donner à sa vie ? Appétit qu'il alimente par des sacrifices humains s'il n'a pas de véritable pain spirituel pour l'apaiser. Pain spirituel qui doit être fait de pratiques religieuses, toujours accompagné d'études, de réflexions, du sens de la contradiction, donc de dialogue et du sens de l'altérité. Et là-dessus, n'oubliez jamais que les Juifs qui étudient le Talmud n'étudient pas seuls, mais toujours à deux, parce que c'est de la confrontation de deux vérités pour mettre de la spiritualité dans le monde que naît la possibilité d'une vérité commune, c'est-à-dire l'idée même du vivre ensemble. Mais le fanatisme de ces foules de Téhéran, d'Islamabad et d'ailleurs me contraint à me demander quel peut être le principe d'une cohésion, de cohésion d'une société profane, laïque, une société où la religion en tant que telle ne joue souvent de rôle, quand elle le joue, que dans l'intime. Cette question reste ouverte. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire du Centre communautaire de Paris, que nous fêtons ce soir dans ce lieu prestigieux de la culture européenne, je m'interroge plus que jamais. Ne faudrait-il pas « inventer », entre guillemets, ou peut-être s'inventera-t-elle elle-même, une forme nouvelle de présence de la religion dans la structure de la cité ? Présence cohérente aux fins de l'une et de l'autre, c'est-à-dire de la religion et de la cité, c'est-à-dire à la transcendance du Dieu de la foi et à l'immanence de l'être social. Il faudra de grands efforts d'imagination où un prophétisme jaillit d'une foi d'autant plus forte qu'elle sera comme le retournement et la réorientation vers le haut du nihilisme contemporain pour que l'homme occidental échappe à l'effondrement de ses valeurs et refasse la preuve qu'elle les valeurs peuvent redevenir universelles. Cette conversion n'est l'affaire d'aucun dogme à lui seul, ni d'aucun parti. Comme nous le disait déjà le Talmud, et c'est par là que j'aimerais conclure, c'est un acte de Dieu qu'il faut appeler comme la pluie par la prière. Je vous remercie. Vous avez conclu sur la prière. Nous allons maintenant entendre un penseur laïque qui va répondre à cette description du vertige de l'homme moderne perdu devant le recul de la loi, l'effacement du symbolique au profit du tout politique ou du tout délibéré qui abolit toute transcendance. Bernard-Henri Lévy. Oui, je vais essayer de répondre aux remarques, comme toujours, très, très fortes et très stimulantes
du grand rabbin Gilles Bernheim. Je crois que c'est la troisième fois que nous débattons ensemble et c'est pour moi toujours une grande joie. Je voudrais vous dire d'abord ma joie aussi d'être là aujourd'hui et d'ouvrir avec Gilles Bernheim ce jubilé du Centre communautaire juif de Paris. Je n'ai pas tout à fait l'âge de l'avoir vu naître, ce centre communautaire, mais enfin, j'ai l'âge quand même d'avoir vécu une grande part de son histoire et d'avoir pu mesurer, et j'y repensais toute cette journée, le chemin qu'il a parcouru, le rôle qu'il a joué dans la cité et ce que nous célébrons à partir d'aujourd'hui. Je me souviens, je crois que le centre est né donc en 1963. Je l'ai connu une quinzaine d'années plus tard, à une époque qui vivait encore pour partie dans le climat de l'après-Seconde Guerre mondiale, où le judaïsme était perçu, bien sûr, par nombre de juifs, comme une gloire et comme une exultation, mais par nombre de juifs aussi, comme une fatalité, une calamité, un mauvais destin. Le fameux mot de Heine, « Être juif, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi que de la torture et de la souffrance. » Le centre communautaire de Paris, dans les années 70, c'était un des lieux où on réapprenait, après la Shoah, la gloire, la noblesse, la ferveur et la possibilité d'être juif. C'est un lieu où on apprenait à le faire et cela aussi était nouveau. Et ceux qui ont connu ces temps-là le savent, à visage découvert. Des juifs juifs, il y en a toujours eu. Des juifs de l'intérieur, de l'intimité, des juifs qui vivaient leur judaïsme, leur rapport à l'étude, comme une sorte de maranisme de l'esprit. Les années 20, les années 30, les années d'après-guerre en ont été pleines. Juifs dedans, goy dehors, le modèle Albert Cohen, ce très beau livre paru en 1968, et qui donnait la formule absolument exemplaire de ce type-là d'homme juif. Faisant le singe avec les chrétiens, disait Albert Cohen, et cultivant son judaïsme dans les catacombes de sa maison hantée par les siens. Centre communautaire juif de Paris, à la fin de ces années 70, c'est un lieu où, rompant avec le silence qui avait suivi les années de l'après-guerre, rompant avec les pudeurs, pour ne pas dire pire, de ce qu'on avait appelé le franco-judaïsme des années 30, a été porté, assumé, la fierté d'être juif, encore une fois, à visage, à discours et à mots découverts. Je me rappelle nos premiers débats au centre Rachi. Rafi Marciano était déjà là. Le président s'appelait Monsieur Price. Et je me souviens qu'il y avait un effet de scandale à venir dire, par exemple, qu'il y avait dans les textes bibliques autant, au moins, que dans les grands textes de Platon ou de Hegel ou de Kant pour penser la liberté des hommes. Et le centre communautaire dont nous fêtons aujourd'hui le jubilé a eu aussi cette fonction tellement importante dans la société française et dans la société intellectuelle française, dans la communauté universitaire de notre pays. Non pas de penser le judaïsme comme une sorte de savoir fermé sur lui-même, à l'abri de ses propres canons, de ses traités singuliers,
mais de le penser comme une ouverture au monde. Ce qui s'est dit pendant en tout cas les 37 ou 38 ans dont je peux témoigner, ici, ou au centre Rachi, ou au centre Poissonnière, ce qui s'est dit, c'est que le judaïsme français, bien sûr, exigeait réparation pour les torts, pour les crimes sans précédent qui avaient été commis contre lui, mais qu'il avait aussi quelque chose à dire, à apporter et à offrir au monde. Le centre culturel communautaire, qui va s'appeler culturel, je crois, bientôt, juif de Paris, était un de ces lieux où Jérusalem, loin de se contenter de s'opposer à Athènes ou de fortifier ses positions en exil ou dans la clandestinité face à une Athènes impériale, osait, et peut-être pour la première fois, s'adresser à Athènes, l'affronter sur son propre terrain, dans sa propre langue, c'est-à-dire le français, et de lui remontrer qu'il y avait des vérités, qu'il y avait des théorèmes, qu'il y avait des intuitions spirituelles, morales, politiques, que le judaïsme était le seul à pouvoir formuler. Et j'ai tant de souvenirs, de débats, au centre Rachi, entre juifs et non-juifs, où c'est bien de cela qu'il s'agissait, pas des dialogues interreligieux, pas des espèces de comédies œcuméniques, non, mais l'assertion selon laquelle la pensée juive avait quelque chose à dire au monde qui sans elle ne se dirait et ne se penserait pas. Et cela, encore une fois, pour qui connaît un peu l'histoire du judaïsme, en tout cas français, cela est sans précédent, cela est l'œuvre de l'institution que nous célébrons à partir d'aujourd'hui, et je voulais le rappeler en commençant. Maintenant, dans cet esprit de liberté de l'esprit dont je viens de parler, je voudrais en effet répondre à mon ami le grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Je n'ai rien préparé, je l'ai écouté et je voudrais vous donner, cher Gilles Bernheim, à chaud mes réactions à ce que vous avez prononcé et ouvrir ainsi le débat, puisque c'est, je crois, le principe de cette soirée. Accord absolu avec l'idée que la loi du désir ne saurait être la loi. Accord absolu sur l'idée que l'économie libidinale, un monde soumis à la seule logique d'une libido n'écoutant que sa propre voix ou son propre murmure, serait un monde invivable. J'ai commencé ma carrière philosophique il y a presque 40 ans maintenant, et cela m'a coûté assez cher, en disant cela. Que le désir au poste de commandement, cela veut dire le désir pour l'homme de bien de faire le bien, mais le désir pour le méchant de faire le mal, le désir du violeur exaucé et recevant le droit de violer, et ainsi de suite. Bien sûr, cet économisme libidinal, cette version désirante du progressisme est une des malédictions de l'époque. Là-dessus, je vous entends très bien. D'accord aussi sur l'idée que, pour reprendre le mot de notre maître commun Emmanuel Lévinas, la liberté est difficile. Bien
pauvres en esprit, ceux qui s'imaginent que la liberté est un donné, qu'une fois reçue, elle est acquise, et qu'une fois acquise, elle persévère dans son être. Non, la liberté est incertaine, fragile, et sans cesse tentée, c'est même sa pente naturelle de se retourner en son contraire. Ce que nos textes appellent l'idolâtrie, ce n'est rien d'autre que la tentation permanente de céder à, de s'assujettir à, de se prosterner devant les idoles, c'est-à-dire le monde. La liberté, elle se construit à chaque instant. C'est un effort titanesque et seul celui que Jean-Paul Sartre appelait le salaud, c'est-à-dire celui qui se pense installé dans son être, là dans l'être est bien là. C'est ça la définition du salaud selon Sartre. L'être là, là dans son être, est bien là. Seul celui-là pense que la liberté est définitivement acquise. Donc, que ce travail de lutte contre les idoles, c'est-à-dire contre les tutelles dans lesquelles la liberté se fond, soit toujours à reprendre, je vous entends aussi très très bien. L'idée que l'on soit libre dans le rapport à la loi, cela me semble également acquis. C'était la conviction, et cela fut démontré par le grand philosophe des Lumières, le grand philosophe du désassujettissement, c'est-à-dire Emmanuel Kant, qui disait que pour se désassujettir, pour se libérer, la seule voie était de, non pas l'autonomie absolue, non pas se donner sa propre loi, mais se rendre hétéronome à ce qu'il appelait la loi morale et qu'on peut appeler autrement. Donc que l'homme libre ne dise pas « abat la loi, mais vive la loi », que l'homme libre structure sa liberté en fonction et à partir d'une loi en surplomb, cela me paraît être au cœur de la sagesse juive, bien sûr, mais aussi au cœur de la philosophie des Lumières. Et accord naturellement aussi sur l'horreur sacrée que vous inspirent ces foules de Téhéran et d'Islamabad. Je les ai un peu vues. Il m'est arrivé de renifler le souffle de cette bête-là et je peux vous dire que de près, c'est encore plus horrible que à distance. Alors, les désaccords maintenant, ou en tout cas les apparences de désaccords, peut-être se résoudront-ils dans la discussion, je ne sais pas. En vous écoutant, monsieur le grand rabbin de France, il y a des moments où j'ai ressenti un certain malaise. Ce que j'ai cru entendre dans vos remarques sur le droit de l'homisme, par exemple, vous avez dit sur l'ordre sexuel qui, pour la première fois, serait travaillé par le politique et qui serait devenu un enjeu politique. Il suffit d'avoir lu, et je sais que vous le connaissez bien, Michel Foucault, il suffit d'avoir lu son Histoire de la sexualité pour savoir que il n'y a rien de nouveau là, dans le fait que la sexualité soit habitée par le politique, que le politique touille et machine dans les désirs des humains, qu'il les discipline, qu'il les pousse au contraire à s'exprimer ou à se déchaîner, qu'il les réprime, qu'il les exalte. Cela, toute l'histoire de la sexualité, de la Grèce à nos jours, toute l'histoire de la famille, depuis la famille disciplinaire bourgeoise
jusqu'à la famille moderne, tout cela, me semble-t-il, invalide l'idée que nous assisterions pour la première fois à une prise de pouvoir du politique sur l'ordre sexuel. La sexualité a toujours été l'enjeu de cette machinerie-là, politique, policière. Foucault démontrait très impeccablement, dans le deuxième tome de son Histoire de la sexualité, comment la sexualité était le lieu même où la police exerçait ses injonctions et opérait ses quadrillages. Sur la question du mariage gay, je ne crois pas que ça soit la question la plus fondamentale de ce temps, ni même de notre débat, mais là aussi, malaise pour moi. L'histoire de la famille, en général, en France en particulier, a déjà connu une si longue histoire. Elle a connu tant de remaniements, tant de bouleversements au cours des âges, au cours des siècles. La multiplication des familles monoparentales, le fait qu'un enfant sur deux naisse aujourd'hui dans des familles qui ne sont pas des familles au sens traditionnel, la disjonction du sexuel et du conjugal dans la société contemporaine, tout cela me semble inciter à une plus grande prudence lorsque l'on oppose à la revendication d'égalité des homosexuels français un ordre naturel. Donc malaise sur toutes ces questions-là, et en vous écoutant, je me demandais pourquoi ce malaise. Alors je dirais, pour résumer, et je ne voudrais pas abuser de mon temps de parole, bien sûr, qu'en vous entendant, je me disais que, au fond, le malentendu le débat, il porte probablement sur les questions suivantes. Autour de cette question de la loi, on est d'accord qu'il faut de la loi pour qu'il y ait de la liberté. Mais quelle loi et comment la définit-on ? Voyez-vous, moi je pense que les foules hystériques de Téhéran et d'Islamabad, elles ne souffrent pas d'une absence de loi, d'un déficit de loi, je pense qu'elles souffrent d'un excès de loi et d'un trop de loi. D'une loi matraqueuse, d'une loi dogmatique, d'une loi indiscutée. Je crois qu'à l'inverse, la loi que nous avons en partage, ce qui la caractérise, la loi juive, c'est que c'est précisément le contraire. C'est une loi légère. Vous citiez le mot en commençant de Maurice Clavel disant que Dieu était inconscient. Je me souviens bien de ce texte de Maurice Clavel dans son livre qui s'appelait « Ce juif de Socrate ». C'était une phrase que Maurice Clavel lui-même citait, reprenait de Jacques Lacan. Qu'est-ce que voulait dire Jacques Lacan lorsqu'il disait « Dieu est inconscient » ? Il voulait dire que Dieu n'était pas mort, mais qu'il était absent. Il voulait dire qu'il n'était pas tout à fait absent, mais qu'il était extérieur à la structure du désir ou à la structure sociale. Il disait, Jacques Lacan, en 1974, dans un séminaire célèbre, repris quelques années plus tard dans un petit texte qui s'appelait « Le symptôme », Jacques Lacan soutenait que le propre de la loi, c'est qu'elle est le propre de Dieu, le propre de Dieu. Lacan disait au début de ce texte de 1974 que Freud suivait le fil de Dieu parce qu'il n'y croyait pas. Et il disait que lui, Lacan, parce qu'il y croyait, ne le suivait pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que Dieu existait
au sens le plus étymologique du terme, exister. Ça veut dire quoi ? Sistere, disait Lacan dans ce texte repris par Clavel. Ça veut dire soutenir, et ex, ça veut dire de l'extérieur. Donc la grande idée de Maurice Clavel et de Jacques Lacan, c'est que Dieu soutient ce monde, l'empêche de se défaire, lui interdit de se décréer, précisément parce qu'il n'est pas un existant parmi d'autres, parce qu'il est à l'extérieur. Ce n'est pas une pièce du dispositif, ce n'est pas une loi comme les autres lois, ce n'est même pas un nom, ce symbolique dont vous parliez. Ce n'est pas une clé de voûte, ce n'est pas une source, ce n'est pas une racine. Ces mots, je crois, que vous avez employés, ça n'est même pas un nom, c'est un innommé, vous le savez mieux que personne, et un innommable qui autorise toutes les nominations. C'est parce qu'il y a de l'innommable, c'est parce qu'il y a le « je suis ce que je suis » qui ressemble au mot d'Ulysse répondant à Cyclope « je suis personne ». Pas l'être immuable, mais innommable, indéfinissable, absent à la structure, le en plus de toute structure, le lieu vide par quoi une structure désirante ou une structure sociale se fabrique, c'est parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette existence, c'est-à-dire ce Dieu absent, ce Dieu dont Lacan aurait pu dire qu'il ressemblait au dieu de Haïm de Volozine, que vous connaissez infiniment mieux que moi, ce dieu qui s'est retiré du monde, qui a voilé sa transcendance et qu'il appartient aux hommes, d'invoquer par leurs prières ou de rappeler par leur étude, seule façon de faire que le monde ne se pulvérise pas, ne retourne pas en poussière. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que précisément la grande différence entre ces foules hystériques de Téhéran et de Islamabad, et puis la loi de Clavel, la loi de Lacan et la loi juive, c'est que l'une est présente et que l'autre est absente. C'est que l'une n'en finit pas de dire ce qu'elle est et ce qu'elle prescrit, et que l'autre n'en finit pas de dire « je suis ce que je suis ». Ce qui me frappe, c'est précisément cette vraie transcendance de la loi qui n'existe pas chez les foules hystériques de Téhéran et d'Islamabad. Alors l'antidote, il me semble que l'antidote, c'est précisément de glorifier, d'illustrer, de glorifier, de dire la louange de cette loi-là, cette loi qui n'existe pas mais qui existe, qui soutient de l'extérieur. C'est précisément de dire la louange d'une loi qui ne prescrit pas à tout bout de champ et sur toute question, mais qui se monnaie en contrat. Vous opposiez la loi et le contrat, si je vous ai bien entendu, mais peut-être pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une modalité qui, plus qu'une autre, de rapport à la sainteté, qui précisément marche sur les deux jambes de la loi et du contrat, c'est-à-dire le judaïsme ? La question du mariage, il y a la loi et il y a... Là encore, vous le savez beaucoup mieux que moi, il y a une telle multiplication de clauses contractuelles qui le règlent, qui le dérèglent, qui l'affinent. Ça s'appelle le Talmud ou certains livres du Talmud. L'antidote, c'est, me semble-t-il, donc la loi juive, c'est-à-dire la loi de Lacan, la loi de Clavel, face à la loi des intégristes, face à la loi de ceux qui conçoivent la loi comme une pièce massive et pleine de la structure. La loi juive, c'est comme le temple lorsque Pompée
il parvient plein de toutes les fantasmagories et de toutes les l'imaginaire qu'il pouvait avoir et qu'il découvre vide. L'antidote, c'est peut-être de donner à ces foules hystériques dont vous parliez des leçons de loi vide. C'est peut-être aussi, je l'ai parfois dit, et je sais que cela provoque toujours chez les intéressés des réactions très vives, je crois que les Juifs ont inventé une chose extraordinaire, qui est une machine à empêcher le fanatisme, qui est une machine à permettre le travail de la liberté, qui s'appelle le Talmud. Ce Talmud dont Lévinas disait qu'il est proprement ce qui fait le juif, l'étude du Talmud, ce que le juif a en propre. Ce Talmud dont Lévinas disait qu'il est comme les ailes dépliées de l'esprit. Ce Talmud qui dit l'incertitude, le vacillement, l'oscillation de la loi et du précepte. Est-ce que ça n'est pas justement ce qui manque à ceux qui voient la loi comme comme une sorte de contrainte monomaniaque et monologique? L'antidote, c'est aussi, face à tous ceux qui pensent, et au fond c'est ça, la racine de tous les totalitarismes et de l'islamisme radical aujourd'hui, c'est ça le point commun à tous les totalitarismes, quels qu'ils soient, face à ceux qui pensent qu'il y a une bonne communauté, qu'il y a une bonne manière de fabriquer le lien qui tient les humains entre eux, et qu'une fois qu'on le tient, ce lien, on s'y tient, et qu'on y tient les hommes et les femmes, et que l'une, comme Ayaan Hirsi Ali, s'avise, ou la Bangladeshi Taslima Nasrin, d'en sortir de ce lien-là, elle est condamnée à mort. Face à tout cela, qui vivent dans le mirage de la bonne communauté, il me semble que l'antidote philosophique dont les Juifs ont une formule, et me semble-t-il la moins mauvaise, c'est l'idée d'une communauté jamais finie, d'une communauté toujours imparfaite, d'une communauté qui n'a pas de fond, d'une communauté qui n'a pas de voûte, d'une communauté dont la loi fonctionne comme cet existant sans nom, mais qui permet les nominations et les proférations. Voilà, moi, ce qui me rend fier d'être juif. Voilà ce qui fait que, à la mesure de mes très modestes moyens, j'essaie de persévérer depuis 40 ans dans cet être juif. Et voilà ce que, me semble-t-il, nous avons, nous, juifs, à dire à toutes les versions planétaires d'Athènes, c'est-à-dire du reste du monde. Je vous remercie. Alors, avant de donner la parole à Gilles Bernheim, qui probablement aura des choses à dire sur cette loi décrite comme légère, vide, oscillante. Peut-être que tous ces adjectifs ne seront pas repris par Gilles Bernheim, mais je voudrais quand même, je suis un peu journaliste aussi, dire qu'on tient un scoop, si je ne m'abuse. On a compris, Bernard-Henri Lévy, ou en tout cas on a cru deviner que vous étiez favorable au mariage pour tous. Vous avez bien entendu ? Pas au mariage pour tous. Je pense que le mariage pour tous est une très mauvaise formulation. Au mariage gay, entre homosexuels, oui, mais pas le mariage pour tous. Et je pense d'ailleurs que les partisans de cette affaire-là ont bien tort d'appeler ça le mariage pour tous. Mais ça, c'est une autre affaire. Et dans votre description, on sentait bien que vous avez d'une certaine manière dédramatisé cette loi en disant il y a eu un certain nombre de
d'évolution des mœurs en général, et en voilà une de plus, décrivant finalement cette, une loi qui autoriserait le mariage entre personnes de même sexe comme une différence de degré plus qu'une différence de nature avec ce qui pouvait exister auparavant. Écoutez, moi je crois que, comme je suis, même sans être laïque d'ailleurs, je crois que ce dont il s'agit là, dans ce débat qui est en train d'arriver à son terme et à son pic, ce n'est pas un sacrement, il est question d'un contrat. Il y a deux mariages, il y a le mariage civil qui est un contrat, ce n'est pas un contrat sacré. On nous explique ici ou là qu'on est en train de toucher au lien sacré du mariage. Voilà extrêmement longtemps, depuis la séparation des Églises et de l'État, depuis déjà la constitution du 16 février 1993 proposée par Condorcet, que le mariage n'est pas sacré. Qu'il se double chez ceux d'entre nous qui le souhaitent, qu'il se redouble d'un deuxième lien, d'une autre alliance, elle sacrée, prenant la forme d'un sacrement, bien sûr. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui, l'adresse qui est faite au législateur est de traiter de ce contrat-là, qui porte le même nom que le mariage religieux, mais qui est une affaire proprement civile. Donc je ne le dédramatise pas. J'essaie simplement d'être laïque jusqu'au bout. Nul ne contraint, grand Dieu non, les hommes de foi, un homme de foi, de céder sur sa doctrine, et ça je le comprends parfaitement, et je comprends très bien la position du grand rabbin, la position de la hiérarchie catholique. Mais nul ne contraint non plus un citoyen de vivre selon des commandements qui ne sont pas forcément les siens. Donc voilà ce que je pense. Et ce que je pense aussi, mais ça je vous l'ai dit, c'est que il me semble qu'on a abusivement mobilisé dans cette affaire une psychanalyse qui n'en peut mais qui a été, dont les semonces et les doctrines ont été, à mon sens, détournées. Je ne crois pas que la question de la transmission et même de la filiation soit vécu dans le freudisme originaire et postérieur comme une affaire naturelle. Je ne pense pas que l'ordre de la transmission soit perçu, et l'ordre symbolique et la triangulation du réel, de l'imaginaire et du symbolique est au cœur de l'affaire. Et plus ce quatrième terme, qui est en effet la loi, je ne pense pas que ça soit une affaire naturelle, obéissant à un ordre éternel et où il y aurait que l'on ne pourrait fracasser ou que l'on ne pourrait entamer sans mettre en péril l'espèce elle-même. Là, je pense qu'il y a une dramatisation politique qui n'a pas lieu d'être et à laquelle un grand nombre de psychanalystes sérieux auraient à opposer leur propre conception du symbolique, leur propre conception de la différence entre le réel et la réalité, et ainsi de suite. Voilà. Sur la question du mariage gay, mais dont, encore une fois, je ne souhaite pas qu'elle soit au cœur de ce débat, voilà ce que, pour ma part, je pense et que j'écrirai dans quelques jours d'ailleurs. Non, pas de, excusez-moi. Donc je voudrais entendre Gilles Bernheim. Madame veut dire que je suis d'accord avec elle. Donc je lui Alors, si vous êtes d'accord avec elle... Est-ce qu'il n'y a pas de question à la salle ? Il n'y a pas de question à la salle. La salle n'a pas la parole. Voilà. Non, en fait, il y aura, comme la salle est très grande, malheureusement, nous avons pris la décision et nous nous y tiendrons. De ne pas donner la parole à la salle. Donc, puisque vous avez l'air d'accord avec Monsieur Bernheim, je propose que nous l'écoutions, parce que là, il y a des choses, il y a vraiment quelque chose qui, d'ailleurs, pour moi, n'est pas du tout anecdotique et qui est probablement au cœur de la question que nous traitons ce soir. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette question-là, parce qu'il me semble qu'elle fait apparaître précisément deux positions
qui sont tout à fait liées au sujet qui nous occupe ce soir. Donc Gilles Bernheim. Tout n'est pas simple dans un débat entre deux personnes qui réfléchissent devant d'autres personnes qui écoutent et qui peuvent chacune entendre des choses différentes. Tout n'est pas simple pour débattre en public dès lors que nous sommes réunis ce soir autour d'un thème et que l'usage que nous faisons de certains mots peut être différent, et je l'entends mieux en écoutant attentivement Bernard-Henri Lévy, notamment sur des termes aussi pointus que ceux de l'existence, au sens lacanien du terme, que sur l'idée de transcendance, sur le positionnement de la loi par rapport au social, que sur l'idée de l'innommable, tel qu'Emmanuel Lévinas le qualifie, et de cette société de contrat vers laquelle nous tendons, dont Bernard-Henri Lévy pense, de mon point de vue, parfois à juste titre, et parfois ça ne l'est pas de mon point de vue, que la loi juive se situe entre une société, l'univers de la Torah s'inscrit à la fois sur une société de la loi et sur une société du contrat. Ce que vous avez dit, pour ne pas partir l'un et l'autre dans d'ultimes et multiples dissertations commentant à chaque fois des mots qui ont été prononcés et nous recentrer sur l'essentiel. Ce que vous avez dit de la transcendance de la loi juive par rapport à la loi d'Islamabad qui, de notre point de vue, est démunie de tout ordre symbolique. Vous avez parlé du réel, de l'identification au réel, de cet empêchement de s'exfiltrer du réel dans la conception que cette catégorie de musulmans peut avoir de la loi. Là-dessus, nous sommes profondément d'accord, et je dirais que c'est essentiel ce soir, puisque nous réfléchissons à quelle spiritualité face à cette barbarie. Et si nous n'étions pas d'accord là-dessus, ça voudrait dire que sur le fond, nous ne pouvons être d'accord, l'étant nous avons non pas la même idée de la loi, mais en tous les cas, nous prévenons ensemble les mêmes risques de dévoiement de la loi juive face à cette loi de l'islam intégriste qui est démunie de tout ordre symbolique. Et ça, c'est très important ce soir. Deuxième point. Société de contrat, société de la loi. Déclin de la loi. Société de la loi. Je suis d'accord et pas d'accord avec vous, et je m'explique. Un maître que j'aime beaucoup disait un jour, à juste titre, qu'il y a des lois juives, des commandements bibliques et rabbiniques, ce que l'on appelle des mitzvot, qui ont beaucoup de chance. Les mitzvot qui ont beaucoup de chance, ce sont les mitzvot dont on peut se servir pour faire l'apologie du judaïsme. Le Shabbat, la Tzedaka, les lois sociales, formidables. Je peux expliquer, nous pouvons expliquer le Shabbat à quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est ni juif ni rien d'autre, mais qui est culturellement stimulé. Retrait du monde, changer son regard sur, renouvellement, ressourcement, c'est facile. Si je vous pose la question, un enfant mamzer, qui est issu d'un couple où la femme a eu un enfant avec un autre juif alors qu'elle n'était pas divorcée, et qui entre dans une logique où il ne peut plus épouser quelqu'un du peuple d'Israël,
Et puis, cette succession d'interdits qui peut traverser les générations. Faites l'apologie du judaïsme à partir de cette loi et dites-moi comment cette loi, au sens lacanien du terme, peut être une existence. Pour ma part, je ne sais pas. Ce qui est un signe, non pas d'incompétence, mais d'ignorance jusque-là, et certainement d'une vie que je ne comprends que lentement, et je crois qu'il m'en faudra beaucoup pour comprendre les vrais enjeux de cette Torah. Deuxièmement, lorsque l'on parle de la loi, nous sommes dans une définition, je dirais, très analytique de la loi. Il y a la mitzvah, le commandement, à savoir le devoir de faire une chose non pas pour se faire plaisir, mais pour permettre à l'autre de recevoir quelque chose de nous, même si nous ne trouvons pas de gratification à notre acte. Pour reprendre le titre célèbre d'un vieux maître commun à vous et moi, sans doute, Pierre Legendre, l'inestimable objet de la transmission, c'est quoi ? C'est un objet de transmission qui n'est pas sans estime, ce n'est pas au sens d'inestimable. Non, ce sens-là, non. Au sens de non-estimation, c'est-à-dire non-évaluation. Nous ne savons pas ce que nous transmettons. Et je crois que notre point, je ne dirais pas de rupture, mais de distanciation dans notre réflexion commune, s'inscrit dans le sens que nous donnons à cette expression l'inestimable objet de la transmission, à savoir que dans l'ordre symbolique qui est rompu à propos du mariage gay, il y a une transmission, et le sens du mot transmission n'a plus le même contenu pour vous et pour moi. Je pense qu'il est plus proche du réel chez vous, et pour moi, il est plus proche, et c'est paradoxal parce que nous jouons à front inversé, en réalité. Il est plus proche de ce qui n'est pas de l'ordre de la représentation, et je pense que la Torah est extrêmement attentive à requalifier à chaque génération ce qui est inestimable dans le don, dans la transmission que nous faisons de ces valeurs. Troisième point, je laisse évidemment les points d'accord, ce sont les points de désaccord qui sont stimulants, qui posent à chacun d'entre nous des exigences nouvelles, et je dirais l'amorce d'un débat qui n'a pas lieu de se clore ce soir, mais au contraire de s'ouvrir au travers d'un sujet grave comme celui que le centre communautaire nous a proposé. Lorsque nous parlons d'alliance, de brit en hébreu, je ne suis pas sûr que le sens que nous donnons l'un et l'autre au mot alliance soit le même. Quand je dis je ne suis pas sûr, sous couvert que vous n'ajoutiez pas des choses qui puissent nous rapprocher ensuite. Votre pensée n'est pas achevée dans votre propos. Elle est ouvrante à la réflexion, ouverture à la réflexion. Donc je ne réagis que sur ce que j'entends et ce que je comprends à l'instant présent. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? Soit Israël s'est retrouvé, le peuple d'Israël s'est retrouvé au pied du Sinaï, et comme nous l'enseigne le Midrash, commenté par cette célèbre leçon talmudique d'Emmanuel Levinas sur la page du traité de Shabbat dans les quatre lectures talmudiques, le Talmud enseigne qu'après avoir proposé ces 10 commandements, comme de la loi, à d'autres peuples qui l'ont tous refusé pour une raison précise, Israël s'est vu contraint d'accepter la loi dans sa totalité. Non, pas dans sa totalité au sens de totalité infinie, dans sa globalité. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question de refuser une loi parce qu'elle ne nous fait pas plaisir. Il y a des moments de la vie où je suis contraint de faire des choses, même si je n'y trouve pas de gratification, et je dirais que c'est dans ce moment-là, si moi je respecte les conventions, que j'évite que le monde se casse la figure. Parce que dans les moments où personne ne trouve de gratification au devoir à accomplir, plus personne n'est présent, et il se passe à ce moment-là que le monde se renverse sur sa base et que les gens meurent étouffés sous la montagne. C'est ce qui a été enseigné à Israël. Le commandement du vol, ça ne me convient pas si je fais des affaires avec des ouvriers clandestins
et des fausses factures. Je vole l'État. L'adultère, ça ne me convient pas si je considère qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai besoin de ressourcer mon désir ailleurs parce que je ne trouve pas que l'autre m'apporte les gratifications dont j'ai chaque jour besoin. Je ne me sens pas gratifié par le regard d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne fais la chose que si j'y trouve mon compte. Ça, c'est une philosophie de l'ego. C'est une tyrannie de l'ego à laquelle la Bible, le Talmud, répondent par cette expression que je requalifie comme celle de Pierre Legendre, l'inestimable objet de la transmission, c'est-à-dire que je fais des choses qui sont inévaluables, inappréciables sur le plan de la mesure, non mesurables, et peut-être s'agit-il là de la transmission la plus précieuse. Et ce que je n'arrive pas, pour ma part, à produire jusqu'à aujourd'hui, sans doute suis-je trop jeune dans l'étude de la Torah, c'est sur les mitzvot qui n'ont pas de chance, tel que j'employais au sens que je donnais à cette expression tout à l'heure, je n'arrive pas à trouver où se situe l'inestimable objet de la transmission, par exemple dans les lois de Mamzerut, du Mamzer, tel que nous l'avons défini tout à l'heure. Et là-dessus, c'est par des questions que je vous réponds. C'est-à-dire pour nous contraindre l'un et l'autre à voir où se situe la ligne de crête qui nous sépare, afin que notre pensée à tous les deux soit faillible, c'est-à-dire soit fragilisable, pas par la parole de l'autre. Je dirais, entre deux personnes qui réfléchissent, c'est normal si elles sont, disons, attentives et honnêtes. Non, fragilisées par le principe même de la loi. Pour, et je reprends vos termes, pour que la vraie transcendance de la loi juive développe cette forme d'extériorité innommable, vous avez employé d'autres termes, je pense que vous avez cité Rabbi Chaim de Volodjin, l'étude ne doit jamais s'arrêter. Il faisait étudier les gens à la sortie de Kippour lorsque tout le monde court à la maison pour manger, pour que l'étude ne s'arrête pas dans cet instant-là, précisément pour reprendre cette idée que Claude Rivlin définit comme le dur et le mou, à savoir que la pensée ne durcisse pas, qu'elle ne se fiche pas, qu'elle ne génère pas des certitudes, et ce fatalisme dont la loi d'Islamabad est porteuse. Ça, c'est difficile, mais c'est facile à faire sur les mitzvot qui ont de la chance, c'est difficile à vivre au quotidien, et puis c'est encore beaucoup plus difficile dès lors que chaque mitzvah se subdivise en de multiples mitzvot avec des règles d'approche qui sont modifiables à tout instant au cas par la halakha. Et alors là, je convie la superbe intelligence qui est la vôtre, et je le dis sans flagornerie, à travailler sur cette subtile loi pour qu'elle ne s'enlise jamais. Et je n'ai pas pour autant besoin de quelqu'un qui croit, quelqu'un qui pratique. J'ai besoin d'une intelligence qui m'aide à rendre fragile la loi, surtout lorsqu'elle n'a pas de chance. Merci. Cher Gilles Bernheim, c'est... Là, je suis incapable de vous répondre. Car si vous êtes jeune dans l'étude de la Torah, moi, je suis un enfant, un être non parlant, à l'orée du parler-être dans l'étude de la Torah. Donc, les questions que vous vous posez, que vous voulez posiez, me les rend plus vertigineuse encore, et je ne veux pas répondre. Ce que je dirais simplement, c'est que ce qui me semble être, depuis ma très grande ignorance, le génie du judaïsme, au sens où Chateaubriand parlait du génie du christianisme, c'est en effet les deux choses. Au pied du Sinaï, prendre tout, même quand on n'y trouve pas son compte, mais surtout, nous ferons puis nous écouterons. La grande parole, celle qui singularise à jamais le peuple porteur de la Bible, ce qui est probablement d'ailleurs l'une des sources de l'antisémitisme, c'est ça.
C'est cette idée que, à l'opposé de toutes les autres tribus qui commençaient par écouter et puis qui, comme ça leur convenait pas, décidaient de pas faire, cette idée d'être parlant qui décide de faire avant d'écouter. Ça, normalement, c'est le principe du fanatisme. Je fais quoi que ça dise. Je décide, puis j'écouterai après. Ça devrait être le principe du fanatisme. Sauf que ce qui fait le génie du judaïsme, ce qui rend son message si indispensable à l'humanité, ce qui fait que les philosophes occidentaux se sont tous si terriblement trompés lorsqu'ils prévoyaient et souhaitaient son extinction, c'est que le judaïsme dit aussi, une fois qu'il a dit ça, il dit « ce que nous ferons et que nous écouterons ensuite, il est l'objet d'une infinie interlocution, d'une multiplication des points de vue, d'un interminable amendement, d'une historicisation sans fin. C'est les deux à la fois. C'est le « nous ferons puis nous écouterons au pied du Sinaï » et puis cette longue tradition talmudique, les deux branchés l'un sur l'autre, qu'aucune autre religiosité, qu'aucune autre spiritualité, pour parler plus adéquatement, n'a pu inventer et dont elle ne s'est dotée. Après, les mitzvot qui nous arrangent et celles qui ne nous arrangent pas. Là-dessus, un autre de nos maîtres, enfin que nous avons déjà cité l'un et l'autre d'ailleurs, Emmanuel Levinas, donne, me semble-t-il, le commencement de la formule. En tout cas, l'ébauche d'une piste qui permet de s'y retrouver. Lorsqu'il dit... Lorsqu'il fait de l'éthique la philosophie première, lorsqu'il substitue à l'optique une éthique, comme il dit aussi, lorsqu'il dit que la grande affaire du judaïsme, c'est ce lien de chaque instant, infiniment, constamment réaménagé entre les sujets parlants. Lorsque Lévinas dit ça, il ne parle jamais des droits du sujet. Lorsqu'il parle des droits de l'homme, d'ailleurs, dont vous parliez en commençant, c'est jamais les droits de soi, homme, parlant et réclamant des droits. La spécificité de la pensée de Lévinas sur cette question, qui dit là aussi la gloire du judaïsme et sa manière de peut-être de penser ensemble les deux éléments de cette aporie que je disais, c'est que c'est toujours les droits de l'autre homme. La grande formule de Lévinas, c'est que quand je dis les droits de l'homme, c'est jamais les miens, c'est ceux de l'autre. La grande pensée de Lévinas, c'est celle du « après vous ». Le concept que Lévinas apporte en propre à la grande tradition de l'éthique occidentale, c'est le concept de substitution. C'est l'idée que autrui se substitue à moi dans le geste ou dans la pensée morale. Lévinas arrive dans une conjoncture philosophique que vous connaissez bien, qui nous a servi pour partie de baptême philosophique à vous comme à moi à quelques années près, une conjoncture philosophique qui voit s'opposer les humanistes à l'ancienne et les anti-humanistes modernes. D'un côté, les tenants d'une humanité insécable, atomique, qui est comme une petite demeure que chacun porterait en soi, qui serait la maison de sa subjectivité, cette infracassable
noyau de droit qui ferait un sujet et qui ferait son identité, une espèce d'identité subsistant à tous les doutes, à toutes les révocations de préjugés ou de certitudes, la subjectivité cartésienne. Puis en face, quand Lévinas arrive sur la scène philosophique, il y a les anti-humanistes, c'est-à-dire ceux qui disent « tout ça c'est de la foutaise, un homme c'est un courant d'air, un homme c'est rien, c'est un point par lequel passent des tas de forces, des forces de désir, des forces, pour parler comme Freud, des forces d'intérêt, pour parler comme Marx, ou des forces d'évaluation, pour parler comme Nietzsche. Et un homme, c'est un lieu de passage, c'est une auberge espagnole où tout cela circule. Il y a ces deux conceptions-là. Une subjectivité ramassée sur elle-même, jalouse de son insularité, impénétrable à autrui. Et puis, une subjectivité trouée, une subjectivité sans dedans, une subjectivité qui n'est rien d'autre qu'un effet de discours. Et ça, c'est la postérité de Heidegger, en gros. Lévinas dit qu'il y a une troisième solution. Il est le seul à la pensée à travers non pas Athènes, mais Jérusalem, à travers sa lecture de Rosenzweig notamment, et c'est cette idée d'un sujet otage d'autrui, obligé d'autrui, qui est celui qui se met à la place de l'autre. Alors cette histoire de décentrement, cette histoire de substitution, qui est l'apport le plus original de Lévinas à cette affaire d'éthique qu'il remet sur le devant de la scène et qu'il ramène dans le débat philosophique, qui va ensuite opérer à travers un grand juif mort prématurément qui était Béni Lévi dans ses dialogues avec Sartre. Cette idée-là, cette idée des droits de l'homme qui sont les droits de l'autre homme, cette idée d'un décentrement du sujet, plein mais décentré, c'est, me semble-t-il, ce qui permet de penser ensemble comme non contradictoires dans leur dialectique magnifique, ce « nous ferons puis nous écouterons » du Sinaï, et puis cette infinie interlocution qui est la chair de la loi telle qu'elle se met en œuvre dans l'étude et dans le Talmud. Voilà la seule chose que je peux répondre à votre question. Je crois qu'on a fait un chemin. J'aimerais prendre au mot le grand rabbin Gilles Bernheim et penser que ce n'est qu'un début, c'est une amorce. Et je voudrais donner à chacun des interlocuteurs de ce soir quelques minutes pour conclure à cette étape du dialogue qui s'est amorcé ce soir. J'ai pris d'autorité la parole, mais sans doute est-ce de la chutzpah de ma part. À ce niveau d'échange, c'est très frustrant de s'entendre dire le mot de la fin. C'est comme sur un ring, mais au sens le plus noble du terme, le match s'arrête. Dire l'échange s'arrête, les plaisanteries mises à part. Sur la lecture lévinassienne des méditations cartésiennes, telles que le rapporte Bernard-Henri Lévy, évidemment que ces lectures, que cette réflexion de Lévinas nous a nourris l'un et l'autre. Mais il y a
un point sur lequel le désaccord ne peut pas être repoussé de la main comme ça. Je recentre en guise de conclusion là où nous nous séparons. Et quand je dis nous nous séparons, sur l'essentiel, pas sur les modalités, par des exemples où chacun peut avoir sa lecture, sa sensibilité, ses modes de raisonnement, et c'est normal, et c'est sain, et c'est ce qui fait l'objet d'une lecture renouvelable. Je pense que notre point de désaccord se situe précisément sur l'hypothétique proximité qui existe entre la place des mitzvot dans le monde et la société de contrat dont nous avons parlé ce soir. Et je veux conclure par un exemple, de manière à rester sur une parole non philosophique, mais une parole audible par tous. À savoir que lorsque j'aime quelqu'un et que je vis avec cette femme sans avoir la moindre obligation, aucun contrat ne nous unit, aucune alliance ne nous unit, nous n'avons rien signé. Nous sommes libres de nous aimer, nous nous aimons tant que nous n'avons nullement l'envie de nous tromper mutuellement. C'est à cet instant-là que se pose la question de l'alliance. Pourquoi m'obligerais-je à épouser cette femme si, en toute liberté, je n'ai aucune envie de la tromper ? Parce qu'en l'épousant, en signant ce contrat, d'une certaine façon, je me contrains de ne pas la tromper. Donc mon amour pour elle sera moins libre, il sera moins entier, je n'emploie pas le mot plein, il sera moins entier. Alors pourquoi passer par l'alliance ? Là, je crois que la réponse se situe dans la capacité à introduire un manque dans le désir. C'est-à-dire une petite exfiltration, un petit retrait, un petit, pardon d'employer cette platitude, un petit sortir quelque chose du désir pour le remettre plus loin. Ça, c'est le sens de l'alliance toraïque. Là-dessus, nous sommes d'accord en théorie, mais dans la mise en situation de ce principe, dans les exemples que nous avons l'un et l'autre donnés, nous n'étions plus d'accord. Et je ne suis pas sûr de savoir retrouver à quel moment s'inscrit la séparation. Je la comprends intellectuellement, parce que l'un et l'autre, nous avons fait des études communes, mais de l'autre, je n'arrive pas à le replacer dans notre situation d'homme face à un monde qui nous interpelle, auquel nous pouvons répondre des choses différentes en nous référant à un même principe, c'est-à-dire à une même loi oscillante, pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure. J'avais très envie, à la fin de votre intervention précédente, pas de la prise de parole, mais dans le débat, vous parliez de Lévinas après vous, monsieur. J'avais très envie, à un moment donné, de tourner ma chaise vers vous, parce que je pensais que ça commençait là. C'est-à-dire, nous allons entrer sur le fond. En même temps, en me tournant vers vous, je tourne dos à la salle, au sens physique, mais aussi au sens symbolique du terme. Et ce n'est pas non plus l'objet d'une telle soirée. Je vous remercie. Sur ce qui rapproche les mitzvot des contrats tels que nous les avons vaguement évoqués ce soir et tels qu'ils fonctionnent dans une société démocratique, là encore, j'en sais beaucoup moins que vous et donc je ne m'aventurerai pas à essayer d'y entrer plus avant. Je ne sais pas. Ce que je peux dire en revanche, et entendez-le comme vous voudrez,
j'aime l'idée d'une société basée sur les contrats. Je trouve que c'est une société respirable. Je trouve que c'est une société où la liberté est plus intense. Parce que l'avantage d'un contrat, c'est qu'il est révisable. C'est qu'il ne prétend jamais être le chiffre impeccable, définitif d'une relation entre des humains. C'est qu'il est toujours sujet à amendement. Et comme je crois très profondément que la racine de ce qu'il y a de pire entre les humains, c'est cette idée que certains connaîtraient le chiffre, auraient le secret de la formule, sauraient comment il faut paître le troupeau humain, auraient la bonne baguette ou la bonne férule. Je crois que c'est ça vraiment l'origine de tout. Que le chiffre soit au ciel, qu'il soit sous la terre, qu'il soit dans les bosquets sacrés, qu'il soit dans une lettre impeccable, indiscutable, comme chez les islamistes radicaux. C'est ça l'origine qui rend les sociétés irrespirables à certains. C'est ça la matrice des totalitarismes. Donc une société qui nous dit que tout ce qui est de l'ordre du profane, tout ce qui est de l'ordre des rapports civils entre les sujets, peut être l'objet de contrats, est une société qui me semble être sur la bonne pente, est une société qui me semble vaccinée contre le totalitarisme. Vous disiez tout à l'heure que les foules hystériques d'Islamabad nous méprisaient ou nous haïssaient, je crois. Voire nous enviaient, peut-être. Ah, voilà. Ben, j'allais dire ça. Voilà. Virgule, moi, je pense qu'elle nous envie. Je pense qu'elle nous envie et que, au fond d'eux-mêmes, y compris ceux qui défilent en criant mort aux infidèles, en plaidant pour la lapidation de celles et de ceux qui prétendent sortir de la loi, ceux qui nous envient au fond, c'est cette idée d'un lien social jamais parfait, toujours troué, qui bien sûr obéit, se trouve sous la tutelle invisible de cet autrement qu'être, pour parler comme Lévinas, ou de cette loi du père, pour parler comme les Freudiens, mais un père percé, qui permet à la structure sociale elle-même d'être fracturée. Et c'est dans cette fracture, c'est dans ce jeu que la liberté difficile, toujours à remettre sur le métier, se faufile et, à sa manière, toujours modeste, toujours impécunieuse, finit par triompher. Voilà ce que je pense sur cette affaire de contrat. Mais, Bernard-Henri Lévy, l'identité de l'enfant mamzer est dans nombre de cas non révisable. Et sur ce registre-là, elle ne peut s'inscrire dans une société de contrat. Oui. Pardon de reprendre la parole, c'est très mal élevé lorsqu'on la récupère en dernier. Alors, pour terminer... Alors, pour terminer, juste pour rebondir quand même sur le mamzer, parce qu'avant que vous ne soyez là tous les deux, nous avons eu un très bel enseignement sur le mamzer dispensé par Marc Eisenberg, président de l'Alliance israélite universelle, selon laquelle, quand un mamzer est plus savant qu'un prêtre, eh bien, il a primauté sur le prêtre. Donc, primauté du savoir. Et donc, parfois, les mitzvot de la mamzerout ont aussi de la chance. Ça, c'était pour dire en passant. Je voudrais vous remercier l'un et l'autre. Probablement qu'on aurait à approfondir les notions de contrat et de loi qui ne s'opposent pas de manière aussi radicale, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quel contrat, sinon on est dans l'anarchie.
et que la loi elle-même, évidemment, elle est elle-même révisable et en partie contractuelle. Je voudrais simplement terminer, vous remercier tous, remercier le grand rabbin Gilbert Naïm et Bernard-Henri Lévy de nous avoir, d'avoir débattu de manière authentique, ce qui est rare. Et terminer sur, en tout cas, ce constat, nous n'avons pas été idolâtres ce soir. Si le Talmud est cette lettre intranquille, jamais fixée, qui est l'exact antidote de cette fixité du sens, qui est le commencement de l'idolâtrie. Merci à tous.